ici, on est à Bethléem, on est devant un mur qui a été décoré par des graffeurs, certains célèbres, d'autres moins. L'HEM collabore ici avec le conservatoire Édouard Saïd pour des missions pédagogiques et de coaching. Certains de nos étudiants peuvent faire des séjours ici, plus ou moins longs. On essaye à notre manière de combler certains vides qui pourraient y avoir dans la région. Et c'est à la fois intéressant pour eux, puis à la fois intéressant pour nous. The conservatory, we have that idea, it's called outreach program. Outreach program, that means the children who cannot reach the conservatory, so we reach for them to discover who is very, very, very talented after a while in the future. Then we move him to the conservatory to continue of music. The other, maybe they know about music, they play, but normally. Avec très peu de moyens, on arrive à faire des projets qui vont au-delà de la musique, j'ai envie de dire, parce que je pense que le but, c'est pas que tous ces jeunes soient des musiciens professionnels, mais de les sortir un peu de ce qu'ils vivent ici et que la musique les amène à s'exprimer de toute façon. Donc, j'ai redécouvert cet esprit de travailler avec ce qu'on a. Moi, dès qu'on me parle de découvrir d'autres cultures, d'autres pays, de pouvoir travailler avec d'autres personnes, ça me donne très envie. Du coup, je me suis un petit peu renseignée sur ce qu'on faisait vraiment sur place, en quoi ça consistait. Et j'ai pas hésité une seule seconde à vouloir partir, en fait. Je pense que ce type de projet comme ça, d'échange entre les élèves et tout, c'est énorme. Et c'est une opportunité que je n'ai jamais pensé avoir dans ma vie. Et grâce à la HEM, je suis là et je suis en train de vivre cette expérience que ça va être inoubliable. On ne se connaissait pas forcément énormément en arrivant. On a créé beaucoup de liens très rapidement et ça se passe super bien. Enfin, tout le monde est vraiment adorable. Ces projets d'orchestre permettent de regrouper les différentes antennes du conservatoire Édouard Saïd. Donc il y a la branche principale qui est à Jérusalem, donc il y a aussi des branches dans tout ce qui est la Cisjordanie, à Ramallah, Bethléem, Naplouse. Tous ces élèves qui sont dans ces différentes antennes, n'ont pas d'orchestre régulier à la semaine, donc se retrouvent une fois ou deux fois par an pour faire des projets tous ensemble sur deux week-ends. Un week-end travail, un autre week-end travail et concert pour monter un programme à peu près d'une heure. Le niveau des élèves qui prennent dans cet orchestre sont à partir du grade 6, c'est-à-dire la sixième année d'instrument. Parfois un petit peu avant, là cette année justement, il y a pour les violoncelles, il y a eu beaucoup de grands niveaux qui sont partis étudier à l'étranger, donc
qu'ils ont recrutés à partir de la 4e, 5e année, donc, ce qui donne des niveaux quand même assez hétérogènes. Les programmes sont choisis par la directrice académique qui est Jake Rosland en collaboration évidemment avec le reste de son staff parce que c'est aussi eux qui connaissent les élèves et savent exactement ce qu'ils sont capables de faire. The relationship with Geneva started before I was doing this job with my predecessor. So we have a couple of different ways that they get opportunities to go to Switzerland. One is in connection with the Divan project run by Francis Beege. One is for some longer opportunities for students to go both ways as an exchange and to spend some proper time. Another one is for perhaps some of the staff, the professors, also to get involved in coming here and on short projects or master classes to be able to also experience. We have problems with teachers in Palestine in general because usually they would go teach for a couple of months and then Israel would deny their visa, so they have to go back. So I never had like a teacher who stayed all the time, or I never had actually a horn teacher until years later. It made me so eager to come and learn here because I didn't only want to learn from the teachers, I wanted to experience from the students too, to have this experience of learning through students and teachers at the same time. Aussi un intérêt évidemment pour nos étudiants, c'est de les sortir de la sphère de la musique classique occidentale, appréhender une réalité qui est de l'ordre de la musique méditerranéenne, de tout ce qui se passe dans les cultures du Moyen-Orient et de voir les parentés qui existent entre ces cultures du Moyen-Orient et puis des cultures populaires qui sont séculaires en Occident. C'est de sortir des barrières qui ont été données de la musique classique et de voir qu'il y a 1000 musiques classiques et pas classiques parce qu'on se confronte maintenant avec des traditions musicales de partout et on découvre pas seulement une richesse à l'oreille mais une épaisseur culturelle extrêmement profonde avec laquelle il faut se mesurer. Dans ce contexte, la musique arabe est encore porteuse de phénomènes qui étaient propres aussi des musiques anciennes. L'utilisation de la mémoire comme véhicule principal, une aisance dans l'improvisation, une claire
connaissances et compétences dans la perception du mode et dans l'utilisation des modes. Ce sont tous des données qui étaient normales pour un musicien jusqu'au XVIIIe siècle et qui ont été perdues dans les 200 ans qui ont suivi. We performed together in a small concert in Ramallah branch, and this was a great opportunity for a different type of collaboration, because often the students play with the students in the orchestra, but for us as teachers, we often just teach, and it was a great opportunity to work with good musicians. The idea behind that, apart from just to give us the chance to play together and have some fun, was that the students who were playing in that concert and their families would get to hear something that they would never hear, both instrumentally, because they don't hear these wind instruments played like this, but also repertoire, because, you know, we're not at the level as a conservatory where people are playing ligeti quintets usually, and they absolutely loved it, so we were very happy to share that with them. Nous, on est combien de nationalités qui ne parlent pas la même langue, qui viennent de pays qui se sont tapés dessus jusqu'à l'autre jour. Et puis tu fais un projet où c'est clair que chacun met de soi-même la partie meilleure et qui n'est pas une pion avec un directeur qui dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, de mesure A à mesure B. Où chacun est demandé de prendre en charge soi-même et son voisin. Donc évidemment, pour nos étudiants, pour nos enseignants, d'avoir la possibilité de se trouver dans une région où la musique, ou la pratique de la musique joue un rôle qui n'est pas seulement ornemental, mais qui est vraiment éducatif, qui est vraiment de l'ordre de l'apprentissage du vivre ensemble, de la cohésion culturelle, de la diversité, c'est effectivement une grande chance. Et c'est la raison pour laquelle, parmi tous nos partenariats, il y en a plusieurs, c'était le premier à se structurer de manière aussi nette et aussi centrale. Forcément, j'arrive devant le mur, quand j'arrive à un checkpoint, il y a quelque chose, on ne peut pas rester indifférent, il y a quelque chose qui fait qu'on sent que nous, on a la chance de pouvoir passer de l'autre côté sans problème, revenir d'un côté... sans que d'avoir besoin d'autorisation, entre guillemets, il y a l'autorisation du visa, mais sans cette chape de plomb un petit peu qu'il peut y avoir sur au quotidien. Mais quand on fait de la musique, je dirais que ça permet justement de sortir de ce contexte politique. Chaque fois que j'ai fait des voyages avec des étudiants, aussi bien ici, au Brésil, au Venezuela, ils reviennent complètement métamorphosés et puis ils trouvent un autre chemin dans leur carrière musicale. Pour moi, c'est absolument essentiel pour l'école et c'est une mission très très importante. Si, je ne comprends pas la question, je ne fais pas de l'humanitaire, je fais la seule chose cohérente et rationnelle qu'il faudrait faire. Je ne me sens pas particulièrement gentil, je me rends compte simplement que je ne comprends pas pourquoi les autres ne le font pas. Cette dimension sociale, elle est consubstantielle au projet, mais c'est un des éléments qui contribue à la réussite du modèle artistique. On ne va pas se substituer à des ONG dont c'est le métier, dont c'est le travail, dont c'est le savoir-faire, mais en l'occurrence, notre ambition, c'est de mettre un peu de liant là où il en manque beaucoup. Thank you.
bien déjà. Bon, ce qu'il faudrait, c'est qu'il arrive un petit peu à structurer ce qu'il fait. It's not easy to breathe quickly. Yeah. In this situation, I understand. Okay, maybe we can try again the first part. This collaboration with Geneva is very crucial for us. It's not like any other collaboration between, let's say, Geneva and any other city in the world, because Palestine is under Israeli occupation and lives in a sort of an isolation and lives in different siege situations. The people in Gaza cannot leave Gaza. People in the West Bank, in Ramallah, Bethlehem, cannot come to Jerusalem. People in Jerusalem officially cannot go to Ramallah, and so on and so forth. It is like a rope of salvage, you know, when you are drowning and you want to stick to something. But it has made a lot of difference and change. Because of that, we are able to do many things with the orchestras, with educational programs. We believe that music is a powerful tool as music itself, but also as an art form that will change lives of people. Mon job, c'est bon, d'être présent, de voir ce qui se passe, d'assister, d'aider un petit peu, de parfois donner un cours, de jouer à l'orchestre, de coacher un petit peu les gens. Et puis c'est d'observer ce qui se passe, d'en prendre plein d'expériences pour nous et pour faire grandir notre école aussi, parce que on a certainement des choses à leur apporter, mais ils ont certainement beaucoup de choses à nous apporter aussi. Pour moi, c'était impressionnant parce que j'ai vu un petit peu le déroulement de la semaine, le travail qui a été fait. Et c'est très impressionnant, disons, la marge de progression qu'ils ont. Et c'était un magnifique concert ce soir. C'est toujours un moment un peu spécial, on va dire, parce que c'est l'aboutissement de 10 jours de travail. Donc entre ce qu'on a au début puis ce qu'on a à la fin, c'est toujours, on voit toute la progression qu'il y a eu pendant 10 jours. Donc c'est super de voir autant de jeunes qui s'amusent à faire de la musique, qui prennent plaisir et qui, voilà, ont réussi à monter un programme ambitieux, mais en tout cas, je pense que le concert était à la hauteur de tout ce qu'ils pouvaient faire et ils ont donné au maximum. Donc c'est un sentiment, en tout cas, je pense, de mission accomplie, entre guillemets. L'expérience se termine un peu, beaucoup de tristesse. C'est heureuse de. Bah, je sais pas. Je suis super contente d'avoir vécu une expérience comme ça.
Juste si je peux rectifier, mon sentiment final, c'est pas la tristesse, on est d'accord. Hein. C'est la joie. C'est juste que voilà, c'est un peu triste de quitter tout ça, mais c'est la joie d'avoir pu partager ça avec, avec les gens ici, et dans une autre atmosphère. Indira, Indira, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que j'aurais apprises. C'était vraiment très enrichissant. J'ai appris à m'ouvrir encore davantage, à essayer de comprendre l'autre, à partager avec la musique, mais aussi avec la langue.